on vient de recevoir un appel au 5460. C'est pour un voie de fait au 11 800 qui a écrasé. Fait qu'il faut qu'on débarque tout de suite. OK, reçu 5 sur 5, on débarque. J'espère que c'est pas un tough ce gars-là, parce que dans ce coin-là, là, le monde sont assez fucké. OK, tu peux aller cogner. Ouais. Hey, c'est vous, Serial Killer? Ouais, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation pour voie de fait. On vient de porter plainte contre vous. Quoi tu parles, man? Les amis, ça se passe là-bas, policier! Le policier, on doit la faire là! Le policier, on doit la faire là! On va t'arrêter! Hey, bouge pas! Une autre journée a passé. La dernière nuit, je me suis retrouvé au poste de police de mon quartier. Pour des voies de fait, soi-disant que j'avais fait, mais que je n'avais pas fait. Et elle le savait très bien. On m'accuse, plutôt on abuse de la situation. Sur toutes les charges et chefs d'accusation, on m'a libéré à une seule condition, que je me présente à la cour et que je respecte mes conditions. Grâce à Josie qui est venue témoigner pour moi. Et s'il y avait une caution à payer, elle était prête pour ça. Je me suis pris un avocat dans ce cas. Je voulais pas que l'aide juridique et toute cette merde vienne traiter mon cas. J'ai été clair avec lui, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Les mensonges et vérités pour que je puisse être acquitté. Le 24 octobre, c'était le jour du procès. J'ai appelé mon avocat, elle m'a dit t'inquiète pas, je suis prêt de la Bible. Jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis resté calmement dans mon coin en attendant mon témoin. Dépendant de son témoignage, c'est lui qui contrôlera mon destin. Yeah, crois capable de toute chose. Je crois coupable de toute chose. Vous voulez savoir la suite? Y'a pas de suite, ça se termine là. Yeah. Dernier verdict.